Nous débutons à Pékin, où le président chinois Xi Jinping a connu une journée des plus chargées, rencontrant de nombreux dirigeants de la planète en marge du deuxième forum Century Route pour la coopération internationale. Il s'est d'abord entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Mais avant cette rencontre, la Chine a décoré le chef de l'État russe d'un diplôme honorifique de l'université Tsinghua, d'où le président Xi Jinping est également sorti diplômé. Xi Jinping a par la suite rappelé que cette année marquait le 70e anniversaire de relations diplomatiques sino-russes et que la Russie a depuis tout temps constitué un partenaire majeur dans le cadre de l'initiative Century Route, et d'ajouter que cette initiative originaire de Chine concorde parfaitement avec les objectifs de l'Union économique eurasienne lancée par la Russie, tout en précisant que leur alignement constitue un modèle de coopération économique régionale. Les deux dirigeants ont en outre convenu de pousser davantage leur coopération bilatérale touchant à l'économie, l'énergie, la technologie et l'aérospatiale. Le même jour, le président Xi s'est aussi entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies et les premiers ministres de Grèce, de Malaisie et de Thaïlande, ainsi que le sultan de Brunei.